Du calme, s'il vous plaît. I am out here. On est club du coup. Godi les réunions. Crossroads, ta beauté, tu crois qu'il y a un wakaï. I am out here. Abonanipi, aya yo aniti. Aya bravo to amata, aya lukwa, aya lukwa. Mena, se kale, la gonyo pwire, tungkukula, la gonyo nye nye ma. Ya, bra, nye bra soneko. Ok. Chef parent de bravo tuku. Je suis sûr qu'il y a eu aussi des gens de différents villages, à savoir les villages environnants, qui se sont déplacés massivement pour l'accueil que nous avons réservé au prophète Joël Krasso. Sur ce, je voudrais vous dire merci d'être venu, mais nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir encore une deuxième fois le prophète Krasso. Pour ceux qui ne l'ont jamais connu, vraiment, je voudrais vous dire que c'est de lui qu'on parle tout le temps. Pour cela, je demande à toute la population de l'acclamer. Prophète, soyez les bienvenus sur la terre de Bravo Tuku. Okay, merci pour l'accueil et merci de m'avoir invité. Tout à l'heure, nous avons l'occasion de parler des choses très importantes parce qu'il s'agit de la délivrance du village. Il s'agit de la délivrance du village. Il y aura beaucoup d'étapes. La liesse de l'introduction, on a introduit pour expliquer un peu le ministère du prophète Krasso. Zeka et les Bakama, elle est à Bakanya ne bout pas. D'où à Oublindé, ce qui coule à Tiri. Et à Wakawa, Lago, et à Prophète Krasso, Oyoga, Wakawa, Oyipala. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Potente, Eurule, Emeanula, Erialago, Omotina, Nieni. Aujourd'hui, c'est une autre étape. Zekantie, Makuma, et Kalamani. Amen. Vous me permettez de confier ce temps-là à Dieu. Non. On va se tenir debout. Aïmbote, Kakobo. Nous te rendons toute la gloire, Adonai. Nous voulons te bénir maintenant même. Conduis ce programme et merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? À la première fois qu'on aura l'occasion tout à l'heure, alors vous pouvez les asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne vous sens pas qu'on acclame mon Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien, je te présente. C'est une sœur en Christ. Elle est pasteur en Italie. Elle est pasteur. Elle dirige l'église avec son mari. Son mari est italien. Elle est ivoirienne d'Aboisso. Elle est venue spécialement ici à Divo, à Côte-Moi. Elle suit mes activités depuis l'Italie. Elle est venue aujourd'hui et nous accompagner dans cette croisade. Tu m'as dit bonjour. Bonsoir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, je m'appelle Thérèse Ongueta. À moi, la Thérèse Ongueta. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis venue spécialement rencontrer le prophète Krasso. Son ministère m'a fait du bien parce que, étant une africaine pasteur, le fait que je suis aussi dans le ministère de la délivrance, il n'est pas facile pour moi de me faire comprendre les choses mystérieuses.
L'Éternel m'a fait la grâce de voir prophète Crasso par rapport sur le tube YouTube. Internet Donc par la grâce de Dieu, c'est que j'ai ces activités m'aident aussi dans mon ministère quoi. Donc maintenant mon mari arrive à me comprendre parce qu'au départ il pensait que j'étais malade, il n'arrivait pas à comprendre les choses mystérieuses. Donc je peux dire que vraiment c'est une bénédiction surtout pour vous et pour nous tous aussi quoi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes suivis par 162 pays, 168 pays dans le monde. C'est tout le monde entier qui nous suit. Voilà, voici chez son mari. C'est intéressant de voir la photo. La voici chez son mari. Elle est pasteur. Son mari est pasteur. Ils sont tous en Italie. Gloire à Dieu. C'est important de vous parler de ça. Pour notre histoire, là, c'est pas au niveau de l'Édigo seulement. C'est, ça a pris le monde entier. Demain dimanche, tu auras l'occasion de changer avec nous. Viens, je te présente. Elle aussi, elle est venue de la France. Ça fait quelques jours qu'elle est là. Elle est venue de la France. Voilà, en même temps, je serai obligé de la présenter officiellement, celle qui s'occupe de mon arrivée en France. Je dois partir d'ici quelques jours sur Paris. Nous avons à Paris, nous serons à Paris, nous serons à Lyon, nous serons à Marseille, nous serons à Bordeaux. Très bientôt, par la grâce de Dieu, avant qu'on sera à Londres, on aura l'occasion de visiter Londres, on aura l'occasion de visiter les États-Unis dans le mois de mai. Donc, cette histoire de notre ministère, ça a gagné le monde entier. Et elle est claire là-dessus. Depuis que les gens regardent nos vidéos, nos enseignements sur le YouTube, cela leur a permis de comprendre beaucoup de choses en matière de la délivrance. Nous donc elle est venue spécialement pour nous aider. Elle-même est venue pour être délivrée et puis nous aider dans certaines choses. Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue avec beaucoup de cadeaux pour le ministère. Vous avez des cadeaux là-bas de notre côté. Pour tout le monde. Oui. Je suis obligé, tu sais, ma bouche, je t'ai dit, ma bouche, là, ça capte pas les choses. Amen. Que Dieu bénisse. La gazille, la ziliwa. La ziliwa. Mon gazille, la ziliwa. Recevez, 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 recevez,
Soit libéré par les œuvres et la sorcellerie. J'ordonne à ton mariage d'être libéré. Je libère ton foyer maintenant même. J'ordonne aux sorciers de libérer ton foyer, de libérer ton épouse. J'ordonne à la sorcellerie de libérer ta maison. Si ta servante ou s'il y avait quelqu'un qui était sorcier et dans ta maison, je commande à cet esprit de quitter son corps et maintenant même, je libère ta maison. Au nom de Jésus, que le feu du ciel descende pour consumer maintenant les œuvres de la sorcellerie et dans ta maison. Je commande, pendant que tu m'écoutes, dans ton service, il y a certainement des personnes qui se sont liguées contre toi. J'ordonne à ces esprits de la sorcellerie, parce que la sorcellerie est caractérisée par la jalousie, par la haine, par la calomnie. J'ordonne à ces esprits dans ton travail qui se sont ligués contre toi. Oui, au nom de Jésus, que tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton service, je libère ton emploi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ta fécondité. Au nom de Jésus, parce qu'il est écrit dans la parole, même la stérile enfantera cette fois. Dieu t'a créé pour dominer, pas pour que l'esprit te domine. Tu as été créé pour dominer. Alors je commande que ton commerce soit libéré. Je libère ton succès. Je libère ta bénédiction. J'ordonne maintenant que tout ce qui soit... Oh, my God.
Je t'envoie dans la mer. Enfin, digne. Tu quittes son corps. Yo, bien qu'un euro. Tu quittes totalement sa vie. Beauté, Europe, pour lui.